Tu peux nous dire un truc cool sur Emmanuel Macron? Ah, je t'ai pas dit de faire des noirs. Ok, on y va? Vas-y. C'est quoi ces questions là déjà, Léna? Des questions hardcore. Oh là 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 là, t'as failli le mettre. Le pire commentaire haineux que tu aies eu sur les réseaux. Il y en a eu tellement. Ah ouais, putain. Ah ouais, il y en a eu tellement. Il y en avait un jour qui m'avait marqué. Ouais. Parce que le mec m'avait fait une thèse, antithèse. Enfin, vraiment, il avait fait toute une rédaction. Limite, il s'est inscrit à l'ENA pour faire ce commentaire. Tu vois ce que je veux dire? Il expliquait par A plus B pourquoi j'étais une pute et que je n'avais rien à faire dans le rap et que le rap était réservé aux hommes et qu'il fallait mieux que je continue à rendre fière ma mère en faisant la vaisselle plutôt qu'en ayant des punchlines. C'est un troll, ça, je pense. Même... Ouais, c'était un super troll. Enfin, j'espère. Je fais des instrus, t'es chaude de poser un freestyle dessus, je serais trop touchée. T'essayes de gratter, là, en fait. Non, je gratte pas. C'est mon univers, c'est tout. Je t'envoie mon instru. Ça, c'est toi qui fais l'instru? Ouais. Ah ouais, en mode funk et tout? Ah ouais. Faudrait que je pose un truc là-dessus, ouais, là? Ouais, si t'as envie. Attends, ça veut dire faut que je trouve... Attends. Young Chill avait du cash, Milly. Je le pirais pas dans la street, t'as la Cassidy. Hey, Young Chill est dans le food. J'ai croisé la foule, là j'ai capté, je suis dans le coup. Hey, hey, hey. Young Chill a joué écarte les risques. J'ai dû rapper face au garde, j'ai le gap, bitches. Hey, Young Chill est dans le food. J'ai croisé la foule, là j'ai capté, je suis dans le coup. Hey, ya, 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 ya. Je parle trop de moi, je pars pas sur les autres et je m'efforce d'ignorer les tasses. Je traverse mon image, j'ai pris un virage, mais là j'émerge de nulle part et je m'impose en une traque. Ya, 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 ya. Je calcule pas les bougs au milieu des loups. Je suis la loute, mais je crie comme un ours. Là je deviens viral, je suis là sans visage. J'ai quitté le village en pirogue, je les pirate. Bon, po, po, po. Je savais pas que t'allais vraiment poser. Bah ouais, non mais on est là, on rappe ou on rappe pas? Du coup je suis gêné parce que c'est l'instru de La Rousseau en fait. Ah. Moi je croyais que je voulais te faire rigoler. Attends, je suis gêné, tu crois que j'ai vraiment fait l'instru et tout? Du coup, je me sens mal, je suis désolé. Oh non, en plus, je me disais, elle est éclatée, son instru, elle tue la merde. Ah, j'ai honte. Mais tu sais quoi, je suis fière pour toi que ce soit pas toi qui l'a fait. Vraiment, bon, je me dis... Tout le monde est content. Du coup, t'as plus de talent que ce que j'imaginais, tu vois? En vrai, j'ai kiffé, moi, ce que t'as fait. Ah, merci, ça fait plaisir. Ok. Vous avez vu ce vent, là? Ah, il faudra bien zoomer sur ce vent. Tiens. Qu'est-ce que... Ah, pardon. La meuf, elle a réclamé un chèque. Allez. De ouf. Ok, encore. Rouge. Voilà, ah ça, non, c'est... j'allais l'ouvrir direct. Bah après, on peut faire ça si tu veux. Mais après, je peux pas montrer mes talents, ouais, après de touchdown. Oh là 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 là. Franchement, je l'ai passé entre la GoPro, vous êtes même pas prêts. J'avoue, ça... La corbeille, elle fait pitié à côté du lancer que je viens de faire. Ça doit vraiment être un vrai skill, ça. Ah ouais, c'est... Je pense même pas que j'arriverai à faire ça. Non, je pense pas que tu y arriveras non plus. Ah oui, ça c'est, j'ai écrit. Moi, ce que je kiffe chez toi, c'est ton côté pudique. Ah, là, c'est ouais. Vraiment... Ouais, c'était une... Ouais, bah, c'est vrai, je vais juste te dire ça. Vrai, allez, on enchaîne. Ouais, il y a un truc, je sais pas, qui... Dans ce que tu fais, on est trop à l'aise, tu vois? Tu mets pas mal à l'aise. Et je trouve ça cool parce que j'ai l'impression quand, bah, malheureusement, quand t'es une meuf, il y a soit t'es super masculine ou quoi, ou soit t'es super... Bah, à poil ou quoi, tu vois. Y a pas dans... Tu sais, tu peux pas être... Bah non, tu sais, je suis là, frère. En fait, c'est vrai qu'il y a toujours ce clivage un peu entre des opposés, j'ai l'impression. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que je fais partie de la norme, quoi. Enfin, tu sais, je suis une meuf lambda. J'ai un côté viril, comme j'ai un côté féminin. Je peux être dans la séduction quand j'en ai envie, et puis je peux être en mode bas les couilles quand je veux. Et... Par contre, je suis quelqu'un de très pudique sur ma vie personnelle et même physiquement. Enfin, je suis pudique à plein de niveaux. Et puis même d'un point de vue image et tout, quand on est exposé, c'est toujours difficile de se retrouver face à son image, si on projette, en fait. Et je suis une go, j'ai des formes, j'ai des bourrelets, c'est comme ça, bon, bah, faut que j'assume. Tu vois, si un jour je prends un peu plus de kilos et que j'ai de la promo, bon bah tant pis. Psychote, mais là, on psychote et tout, alors qu'en vrai, les gens... Ça, c'est fou, je m'en rends même pas compte. T'es toi-même, ouais, en fait. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai tout intérêt, en fait, à être naturel et à arrêter de me poser des questions. Là, je vais la mettre. Alors. Vas-y. J'ai jamais fait. Bah, je vais te montrer. Il y a écrit, on fait un TikTok, t'es chaude. Je crois on va le foutre comme ça, tu vois. Et en gros, tu choisis un son, donc c'est pas un son que t'aimes bien. Oh, Pookie, c'est bien. Vas-y, Pookie. Okay. Et en fait, ensuite, tu choisis la vitesse et quand tu le balances, tu l'entends au ralenti. Vas-y. 6 hours later. Ah ouais, ça met un lust et tout, genre.
Aïe, aïe, aïe. Allez. Hey 800 papiers plus tard, on met pas des touchdowns. Chiche, chiche. Ta chanson préférée sur l'album? Je peux faire un top 3? Vas-y. Ok. Ma troisième préférée, c'est Solo. Ma deuxième préférée, c'est Aimer. Et la première, c'est Pour la vie. Je pense que, ouais, dans l'album, en tout cas, moi, je le kiffe parce que... Il y a un peu de tout, tu trouves? Il y a un peu de tout, mais il y a surtout beaucoup de moi et... tu vois, j'ai coproduit quelques prods avec mon beatmaker. Et c'est vrai que d'être à l'origine comme ça, de mes top lines, de mettre un peu, de mettre la main à la pâte pour la prod et tout, ça m'a permis du moins d'obtenir la couleur que je recherchais. Enfin, je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'exercice entre le chanter et le rap. Je complexe moins dans l'écriture. Avant, j'étais beaucoup dans un truc où je voulais prouver que je savais écrire, que je savais faire des allitérations, des assonances. Alors que maintenant, je dis juste les choses telles que je le pense. Si tu devais faire un feat avec un artiste de variété française, Angèle ou Stromae? Ouais, ça serait énervé. Paul Vanna... comment il s'appelle? Pourquoi je suis parti? Il a tenté. Je suis curieux de voir la rouge. J'ai dit que t'es d'origine malgache. Est-ce que t'as un long nom de famille? Ouais, j'ai un long nom de famille. Et en parlant de culture malgache, tu vas... Enfin, là, c'est juste pour ma curiosité à moi. Tu vas des fois à Madagascar? T'es proche un peu ou t'es... J'y suis retournée en 2011. Ouais. J'ai pas mal de famille là-bas à Tana. Et j'aimerais bien y retourner dès que possible. Mais surtout, j'aimerais bien agir là-bas, tu vois. J'aimerais bien... Faire un truc là-bas? Faire un truc là-bas, ouais. En rapport avec la musique et l'humanitaire... Trop bien. M'investir. J'y ai même pas grandi, tu vois. En vrai, j'y suis allée 4 fois dans ma vie, mais c'est la dernière fois, elle m'a vraiment marquée. Et j'ai un lien particulier avec mes origines, justement parce que j'ai pas eu l'occasion de grandir proche de ses origines. Donc ça me donne envie de l'être, tu vois. Et un petit ballon. Tiens, petit ballon. Regarde. J'ai niqué la GoPro. Peut-être je peux finir avec mais ça. Mais j'ai touché la corbeille. Un 3 points. OK. Touchdown, il y a quoi?